Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que ces deux dernières semaines, je vais vous avouer que j'ai complètement négligé mon appartement. J'ai dû vider donc mon garage parce que je change de garage et donc j'ai tout vidé et tout laissé chez moi. Là, c'était à peu près vide parce que comme vous le voyez, il y a encore quelques petites choses qui traînent à gauche et à droite. Et croyez-le ou non, ça commence à m'énerver vraiment. Je vous montre vraiment l'appartement dans l'état dans lequel il était. Il y a encore les bouteilles de la veille parce que j'ai été faire les courses, les croquettes de Nala qui traînent un peu partout. Bref, une catastrophe. Il y avait les chaussettes qui traînaient par terre, encore des boîtes à mettre au garage. Alors là, si vous saviez comme j'ai la haine, toute la première partie de la vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc là, j'avais tout rangé dans la cuisine, j'avais tout filmé ou du moins je pensais avoir tout filmé. Et du coup, ben j'ai la haine. Vous n'avez pas vu quand j'ai rangé tout ça. Mais bon, là j'allais faire toute la vaisselle et ranger un petit peu. Donc ici, moi, tout ce qui est éponge, détergent pour nettoyer la vaisselle, je le mets toujours dans un petit bac. Et le petit bac, je le mets sous mon évier. J'ai une petite étagère. Cela me permet donc de libérer l'espace. Et puis, c'est toujours à portée de main. Si je peux vous donner un petit conseil concernant la cuisine, c'est vraiment de faire la vaisselle tous les jours, de nettoyer l'évier, les plans de travail, vraiment de les garder un maximum rangés et propres. Donc ici, concernant le nettoyage de l'évier, j'utilise toujours le Dettol antibactérien. Je fais ça à chaque fois que j'ai lavé ma vaisselle ou du moins une fois par jour. Thank you.
S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller à ce moment-là, c'est vraiment l'éponge magique ou la gomme magique, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais elle fait des miracles. Ici, je l'avais utilisée parce que j'avais vu que sur la gazinière, il y avait des traces noires qui ne partaient pas. Et avec la gomme magique, avec cette éponge, tout est parti. J'utilise aussi pour mes murs, pour mes meubles, pour tout, je vous assure, c'est une révolution. Essayez aussi d'avoir vos ustensiles de cuisine toujours à portée de main et d'essayer de libérer un maximum d'espace sur les plans de travail. On oublie bien souvent de nettoyer nos chaises et croyez-moi, pour toutes les personnes qui ont des enfants, vous vous reconnaîtrez, il y a souvent des petites traces de doigts un peu partout, que ce soit sur les murs, sur les meubles, sur les chaises. Donc ici, concernant le salon, je vais commencer à ranger tout ce qui n'est pas à sa place. Et s'il y a bien un petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de le faire tous les jours. Regonflez vos coussins, remettez vos plaids, rangez les télécommandes. Comme ça, le lendemain, vous n'aurez plus rien à faire le matin quand vous vous réveillez. Ce sera beaucoup plus agréable. D'ailleurs, ce plumeau suiveur a changé ma vie, alors je ne suis pas du tout là pour leur faire de la pub, mais je vous assure que ça retient vraiment bien la poussière, et la poussière en fait ne s'installe pas directement sur le meuble ou sur la télévision, c'est vraiment bien.
Pour nettoyer la douche et les vides salles de bain, ce que j'aime bien utiliser, c'est la crème à récurer parce que je trouve que vraiment ça désincruste et puis ça sent super bon. Je pense que ça va de soi, mais essayez d'utiliser une éponge pour chaque pièce de la maison, évidemment. Donc pour le nettoyage de ma douche, je déteste vraiment faire ça, je vous l'avoue. En général, je ne sais pas nettoyer la douche parce que j'en mets partout, je m'en fous partout. Alors la douche est propre à nettoyer, ça c'est sûr, mais moi avec. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment au moment où je vais prendre ma douche, où je vais terminer de prendre ma douche, eh bien j'en profite pour tout nettoyer tant que je suis dedans. Et comme ça, c'est fait. Ici, j'avais encore quelques petites choses qui traînaient dans la chambre de Djibril. Ça vient de mon garage, comme j'ai changé, j'avais momentanément tout déposé ici. Donc ici, dans les sacs, que vous voyez, c'est vraiment toutes les affaires de Djibril durant toutes ces années scolaires. Et c'est des choses que je ne dois pas encore jeter. Donc j'attends d'aller chez Action pour pouvoir acheter des boîtes de rangement, pour tout mettre dedans et ensuite tout remettre dans le garage. Si vous voulez maintenir votre chambre ordonnée, il vous suffit chaque matin de faire votre lit et vous allez voir que ça va changer la donne. On a décidé également de changer l'agencement de la chambre du petit parce qu'on ne trouve pas ça hyper pratique, ni lui ni moi. Il a voulu son lit de ce côté-là, alors c'est très bien, mais il n'a pas vraiment accès à tout ce qu'il y a derrière le lit. Et puis, bon, on ne va pas se mentir, il ne joue pas beaucoup avec ses jouets, mais je pense vraiment qu'on va changer toute sa place et j'en ferai une vidéo. S'il y a bien un truc qui est en train de me faire stresser à l'instant même où je suis en train de faire ce montage, c'est la poignée de porte sur la gauche qui est cassée là de l'armoire. Vous la voyez? Eh bien, je vais aller la recoller tout de suite.
ces espèces de petites peluches sont des vrais cauchemars ambulants, je vous assure. Ils font tomber à chaque fois qu'on les met en pyramide comme ça, c'est une horreur. Ici, je vous montre un petit peu l'agencement de mon WC. Donc tout ce que je vais faire, c'est nettoyer les poussières sur les étagères, bien nettoyer mon WC et mon carrelage, parce que vraiment, faites-le régulièrement, c'est un nid à microbes. Une fois que j'ai tout rangé dans la maison, que j'ai tout débarrassé, que tout est à sa place, eh bien je vais venir passer dans chaque pièce de la maison l'aspirateur. Je passe vraiment l'aspirateur tous les jours dans cette maison. J'ai plein d'animaux, donc j'ai 3 animaux, j'ai le lapin, le chat et le chien, et je vous assure que j'ai des poils vraiment partout, tous les jours, donc c'est très important de le faire. Si vous avez des animaux, faites-le, ça va vous changer la vie. Alors oui, chez moi, il est nécessaire de faire le fauteuil parce que Lucky est toujours dessus et il perd souvent ses poils. Donc c'est la seule manière que j'ai trouvée pour vraiment presque tous les irradier, on va dire. Je vois qu'ici on voit mon merveilleux lave-vaisselle. Alors c'est un lave-vaisselle qui est en très très bon état et qui fonctionne parfaitement. Donc c'est ma maman qui me l'a donné. Et donc j'ai déboursé 0€ pour ce lave-vaisselle parce que je compte, on va dire, rénover la cuisine qui n'a pas de plan de travail comme vous pouvez le voir. Et je compte tout changer de place.
Une fois que j'ai passé l'aspirateur dans toute la maison, je vais donc venir passer à l'eau. Ici, j'utilise une serpillière Vileda, je l'ai depuis super longtemps, mais je vous avoue qu'elle est hyper pratique. Mais c'est vrai que depuis un petit temps, je me tâte à acheter un balai vapeur parce que j'ai vu que vraiment c'était hyper bien et que ça éliminait 99% des bactéries. Donc si jamais quelqu'un passe par cette vidéo et que vous en avez un chez vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vraiment c'est pratique, si vraiment c'est bien et si vous avez vu une différence par rapport aux serpillères normales. Et voilà une maison qui est propre et rangée. Je vous assure que c'est une satisfaction absolue vu l'état dans lequel était l'appartement. On a même un petit chien qui dort sous les coussins. Beaucoup trop mignon. Mais bref, je vous assure que c'est beaucoup mieux d'avoir sa maison qui est rangée et ordonnée. Maintenant, il suffit de l'entretenir tous les jours et le tour est joué. Cette vidéo est à présent terminée, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est sur cette dernière image, je rigole toute seule, de mes WC qu'on se quitte. Je vous dis à bientôt.